Voilà la cause, mon âme. Voilà la cause. Je ne la dirai pas à vous, chastes étoiles. Voilà la cause. Pourtant, je ne vais pas verser son sang, ni même marquer sa peau, plus blanche que la neige et lisse comme l'albâtre des tombeaux. Pourtant, il faut qu'elle meure, sinon elle en trahira d'autres. Ça me fait plaisir que tu sois venu aujourd'hui. Tu sors enfin de ta grotte. Je vais une soirée demain soir, si jamais ça t'intéresse. C'est quoi cette tête? Rien. Quoi alors? Le théâtre. T'es bête, j'aurais pu lui en parler. Sens un peu ta bulle, Céleste. T'étais qu'une gamine. Tiens, c'est sa carte. Du théâtre. Mais tu sais comment ça s'est terminé la dernière fois? Puis regarde-toi, t'es incapable de dire bonjour à un inconnu. Tu bégais. C'est qui? C'est qui? C'est encore Raphaël qui t'a mis ça dans le crâne? Le théâtre nous confronte au réel. Il nous met en phase avec la difficulté d'être. On a tous peur de se retrouver confronté à un public, d'être jugé. C'est lui, c'est l'autre. Un acteur, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il est, ce qu'il donne, sa vision des choses. Hamlet, Shakespeare. Avoir confiance en soi, très important. Vous êtes là pour ça, pour apprendre ça. Et je suis là pour vous l'enseigner. Vous, mademoiselle, venez sur scène. Oui, oui, vous, là, venez. On va faire un petit exercice. Allez, allez, un peu d'enthousiasme, là. Je vais vous demander de vous présenter devant les autres. Thank you.
en scène, elle est incroyable. Par contre, il y a un truc qui m'énerve. C'est la meuf, là. Quelle meuf ? Mais tu sais, la celle-là, raide comme un piqué, là. Ah ouais, je vois. Déteste ça. 10 minutes. Mais grave. Attends, mais avec sa sale gueule, tu sais ce qu'elle fait, elle pourrait faire des super cadavres. Oh non, mais faut qu'elle baisse, c'est pas possible. J'avoue, ça fait pitié. On va se faire un petit exercice sur l'articulation, c'est essentiel hein, pour les acteurs. Attention, vous répétez après moi. Babibobu. Babibobu. Dadedidodu. Dadedidodu. Xaxoxixoxu. Xaxoxixoxu. Ok, très bien, super. Maintenant, on va faire un autre exercice, très simple. Chacun va donner son prénom et tout le monde va rire aux éclats. On va commencer par... vous, mademoiselle. Céleste. Tu vois, c'est pas compliqué. Ça fait quoi de s'amuser sans s'occuper des autres? Tu dois te sentir libre, non ?